Bonjour à tous, je suis Spooner. Sur cette vidéo, je vais vous montrer Teemo. Alors, Teemo solo top, en AP, avec un starter très agressif. La game dure pas longtemps, donc on va voir surtout le early. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Donc, nous nous déplaçons assez rapidement sur la top lane pour couvrir le rouge. En ce qui concerne les runes, donc on part sur des runes AP, mid, classique. On peut prendre un peu d'armure, vu qu'au top généralement on tape souvent des bruiseurs. Donc on va plutôt partir sur de l'armure que des points de vie pour les jaunes. En ce qui concerne les maîtrises, on prend des agressifs, hein, donc des 21-9-0, en AP bien sûr. Nous maxons le A en premier et non pas le poison parce que le A fait beaucoup plus mal que le poison. Donc nous allons tomber contre un Z. Donc au début vous farmez tranquillement. Essayez d'arras dès que possible comme ça. A, auto-attaque. Bon, l'auto-attaque ne fait pas de poison parce que je n'ai pas encore le niveau 2. Voilà, A. Attaque, vous voyez bien que il prend très cher. Voilà, niveau 2, on prend toujours le poison histoire de maxer toujours les dégâts. Et il va commencer à avoir du mal à farm. Là, on voit très bien qu'il prend vraiment très cher. Là, il fait l'erreur de vouloir poser la ward. Donc, je lui mets la sauce pour lui montrer que. C'est assez risqué de se retirer de ses sbires. Donc voilà. Là il fait l'erreur de vouloir prendre un last hit. Et c'est le first blood sur ça. Potion de soin, etc. qui ne sert absolument rien. Teemo c'est très fort parce que les gens ne soupçonnent pas du tout la puissance du poison cumulé à l'ignite. C'est juste infâme. Juste infâme. Alors ne pas hésiter à mettre un flash agressif pour faire le first blood. Parce qu'un Teemo, si vous prenez le kill au début, ça va aller tout de suite mieux. Si vous n'arrivez pas à prendre deux kills rapidement, vous allez être dans la misère. Et après, ça va commencer à être difficile quand l'ennemi en face va prendre de la résistance magique. Voilà, donc on push toujours et on back. Une fois qu'on a back, le plus important en fait, c'est d'être rapide. Quand vous achetez l'équipement. Donc bon là j'ai été assez lent parce que il y a eu un switch et je savais pas trop ce qui se passait. Le Mundo est passé top et le Z est passé mid parce que je sais pas, ils sont dit peut-être que c'était plus simple avec un Z top. Finalement il a changé d'avis. Donc je vais me taper un Mundo qui va être du coup un match-up plus difficile pour moi parce que Mundo est beaucoup plus tanky et il a un ultime qui lui régène sa vie assez rapidement et qui est disponible assez assez rapidement également. Les 40 secondes je crois, quelque chose comme ça. Donc là on va essayer de farmer ce tour, hein. Donc ça se joue comme un AD classique, seulement on fait plus mal qu'un AD grâce au poison. Donc pour les mêler c'est deux coups de tour, une auto-attaque. Et pour les mages il suffit d'une seule auto-attaque après un coup de tour et vous avez de la site. Pas hésiter à claquer le A pour reprendre le last hit, hein. Donc comme pour un Z, le Mundo il faut la race. La seule chose qu'il faut faire gaffe contre un Mundo, c'est qu'il a ses H assez régulièrement. Et donc le but en fait c'est de rester derrière les sbires pour éviter de se prendre la H. La H a fait très mal. De plus, on se dit souvent qu'un Mundo c'est pas terrible au top. C'est assez fort parce que mine de rien, s'il farme avec sa H, il perd pas vraiment de points de vie. Parce que à chaque fois que sa hache tue une cible ou touche, non je crois que c'est touche, il récupère les points de vie qu'il a investi. Du coup ça devient très vite fort. Et il perd pas de vie en farm. Donc là nous avons un gank pas terrible mais bon ça suffit. Le Fear qui va réussir à l'immobiliser. Et là malheureusement il a flash avant l'auto-attaque. Ce qui a fait que le poison n'a pas été appliqué malheureusement.
Donc il ne va pas mourir sur ça. C'était bête. J'ai pas d'Ignite et puis pas de flash non plus. Là il claque le heal dans un style défensif pour rester plus longtemps sur la ligne et prendre le farm. Donc sachant qu'il va rester, je vais poser ma ward. Et donc je vais le laisser. Je vais essayer de pas le laisser farm plutôt. Donc ce tour c'est pareil, faites attention ce tour, évitez de mettre une auto-attaque. Mettez plutôt des A. Parce que sous tour, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites des dégâts, le poison réactive l'aggro de la tour. C'est-à-dire que jamais vous sortez de la tour, là je suis sorti, là il y a le poison, si je retourne sous la tour, je prends l'aggro. Donc toujours faites attention. Si vous faites une auto-attaque sur un champion ennemi, ne retournez pas sous la tour directement après avoir désengagé la tour. Parce que le poison va retic et vous allez reprendre l'aggro de la tour. Pareil pour une ignite. Donc là on farm, il est obligé de back. Et on va back aussi parce que... non même pas. Donc je refais une wave. Oui, étant donné qu'il est pas là, je vais en profiter. Voilà, et là je back. Donc en ce qui concerne le stuff... En ce qui concerne le stuff, on va partir sur du full AP. Donc Rabadon early, pour faire le plus mal possible. Donc là j'aurais pu back, mais étant donné qu'il est revenu, je reste encore un peu. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon. Je voulais vraiment prendre vraiment l'avantage sur lui. Maintenant je sais par contre que j'ai pas vraiment l'avantage sur le stuff, parce que comme il a back plus de fois que moi, il a un stuff plus important. Donc je vais plutôt jouer au farm et à la race, sans essayer vraiment de le duel parce que c'est pas jouable. Donc voilà, juste un peu d'Aras, vous voyez que je fais nettement moins mal. Mais au fil du temps, ça a marché. Donc là on voit clairement qu'il essaie de push. Il pousse vraiment la tour. Il pousse vraiment les sbires sous la tour en fait. Donc je suis obligé d'attaquer les sbires qui sont full life pour les descendre et équilibrer le trade. Parce que sinon je vais me retrouver sous tour. Et avec un Teemo, c'est pas vraiment le top. Surtout que là on voit que les trois champis qui ont été posés ici, ils sont stratégiques, c'est-à-dire que même sans la ward, je vois toute cette vision-là en fait. Je vois le tribush et ici. C'est-à-dire que sans la ward, je vais voir en fait tout ça. Ça va me permettre en fait de scanner toute cette zone sans ward. Tant que les champis restent actifs bien sûr. Puis s'ils sont pétés, ben dans ce cas-là, j'ai l'information de suite. On va voir ce qui s'est passé au top, je crois qu'il a back. Ah voilà, j'ai raté un truc assez important. Donc on va revoir ça. Donc voilà, donc il se prend pas mal d'Arras hein, comme vous voyez. Je prends les potions de vie assez régulièrement pour éviter de descendre trop bas en vie. Donc il pose sa ward, voilà, il les revient. Bien sûr évidemment, à chaque fois qu'il pose une ward et qu'il est loin des sbires, j'en profite pour Arras parce que je reprends pas l'aggro des sbires, vous voyez. Les sbires me tapent pas parce qu'il est hors range des sbires. S'il est dans la range des sbires, s'il était dans cette range là, j'aurais repris l'aggro des sbires. Mais là, il était ici. Du coup, même si je suis là et que je tape, je reprends pas l'aggro. Là, il va essayer de m'arras comme ça. Donc je lui fais avoir une fois, sachant qu'il va essayer de recommencer, je bouge plus. Et je prépare pour esquiver. Et donc là, maintenant, j'essaie de le tuer. Je me dis, bon, je vais pas mourir. Manque de bol, il tombe sous le champi, du coup je l'ignite pour ralentir le soin de son heal et je le finis à l'auto-attaque. Donc avec les dots de l'ignite et du poison. Contre un Mundo, ignite c'est très très intéressant, donc si jamais vous êtes en ranked et que vous tombez contre un Mundo, oubliez pas l'ignite, à part si vous avez un champion qui ne peut pas le tuer, genre un chêne ou quelque chose qui fait pas vraiment de dégâts, dans ce cas-là partez plutôt sur un téléporte. Pour faire la différence sur les autres lignes. Donc toujours pusher la ligne avant de back, hein, très important. Là je pars directement sur grosse baguette. Alors j'aurais pu partir sur les bots si jamais j'étais en difficulté, ou de l'armure ou de la résistance magique également si jamais j'étais en difficulté. Là étant donné que je suis à 2-0 je crois, je sais plus, ou 3-0, je suis à 2-0, du coup je peux me permettre de partir full AP pour faire encore plus mal et contrer la résistance magique que notre ami Mundo a pris. Donc j'aurais pu prendre de la pénétration magique, mais je préfère prendre le Rabadon en premier.
Toujours à Arras, hein, évidemment. Là, on voit bien que les sbires, ça va push énormément de son côté. Donc, j'essaye de faire comme je peux pour tuer le maximum de sbires avant que ça arrive ce tour. Là, il a fait ce qu'il aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire me all-in. Mettre son AOE, mettre mes CH sur moi. Et ne pas me lâcher. Le problème, c'est que... Il a trop peur, en fait. Une fois que j'ai mis mon A, je peux plus lui faire de dégâts, en fait, à part les auto-attaques ou au poison. Ce qui n'est pas vraiment le plus puissant quand on maximise le A. Donc là, on voit que j'ai pris assez cher. Du coup, je prends les potions de vie pour me régénérer. J'attends pas d'être à 50% HP, c'est direct. Hein. Dès que je me prends un coup, potion de vie. Histoire de jamais descendre avec un Teemo, parce que sinon, vous allez prendre très 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 cher. Vous êtes très squishy avec Teemo, faut vraiment pas que vous descendiez en dessous des 50%, sinon vous êtes mort. Donc là, je freeze la lane. Je galère un peu parce que... parce que les sbires tapent les mauvais, mais bon. Voilà. Toujours les trois champis, donc comme je le disais tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a une... on voit bien la zone ici. Sans ward, on voit bien que si quelqu'un vient, il est vu direct en fait. Bon, après, il peut passer par le tribush. Donc un champi dans le tribush et vous êtes safe. Donc Mundo, il peut farm. Mais juste avec sa hache en fait. Du coup, voyant ça, je vais devenir plus agressif. Et je vais essayer vraiment de l'empêcher de farm. De lui faire peur pour qu'il soit hors range pour ses A. Donc là on voit qu'il perd, qu'il rate vachement de A. Du coup il perd des points de vie. Donc actuellement il n'y a pas vraiment de niveau de différence. Hein, même si niveau farm je pense que je suis quand même bien devant. Je suis à 83 et il est à 68, donc je suis quand même bien devant. On voit bien que je l'empêche de farm, hein, quitte à prendre des coups. Voilà. Il va être obligé de claquer le soin s'il veut rester. Voilà. Donc là, il y a plein de vierges qui vont sous tour. Il va pas pouvoir vraiment les dépush. Sinon il va prendre forcément des coups. Donc il calque l'outil pour quand même essayer de dépush et prendre du farm et du niveau. Manque de bol. Et ben, il peut pas vraiment last hit parce que je suis là. Donc c'est assez difficile pour lui en fait. Et on voit que même sous tour je réussis à lui mettre des grosses mandales. Du coup ça devient très compliqué. Niveau point de vie là, on voit bien que je commence à être assez chaud. Donc là je sais qu'il va me relancer une hache bientôt. Donc j'essaie de esquiver, mais bon, il l'a raté. Là, je préfère back. Je sais que lui, il back aussi, mais de préférence, on sait jamais. Des fois qu'il y a le mid arrive. On sait que le jungler est mort, mais pas le mid. Donc, je fais un one shot Rabadon. Donc, j'ai aussi back pour faire le Rabadon. J'avais juste assez de gold pour le faire. J'aurais pas eu assez, je serais resté un petit peu plus, mais c'était un peu risqué. Donc, là, on voit qu'il commence à repush. Il y a beaucoup trop de sbires, il reste plus 15 sbires mages. Donc je préférais mettre un champi pour faire tous les sbires le plus rapidement possible. Donc le top ça aurait été quand même de les mettre sur les mages, j'avoue. Mais comme il était d'une position plutôt défensive derrière ces mages, j'y serais allé, j'aurais pris trop de coups du Mundo, j'aurais perdu trop de vie. Donc là j'ai pas perdu beaucoup de sbires, j'en ai perdu un je crois. Donc deux même, donc c'est pas trop grave. Donc, toujours essayer de freeze quand vous pouvez freeze, quand vous êtes à distance. Le but en fait c'est d'égaliser le nombre de sbires de votre côté et de son côté quand vous freezez. On voit qu'il a plus de sbires de son côté, du coup je le tue. Là on voit que ça devient à peu près égal, donc je vais plutôt faire du last hit. On voit qu'il ferme quand même, mais c'est assez difficile pour lui. On sent qu'il est prêt à claquer l'ultime. Voilà, il l'a claqué direct. Parce que si je balançais un flash à un ignite, c'était risqué pour lui. Je savais qu'il avait son ultime, du coup je l'ai pas fait. Maintenant que je sais qu'il a plus son ultime, je vais m'en donner un cœur joie. Dès qu'il se met en désavantage, je la rase.
Donc là, j'ai pas mis de poison. Vous voyez bien que si je retourne sous la tour, je reprends pas l'aggro. Donc je vais l'obliger à revenir en tapant la tour. Toujours derrière les sbires pour éviter de vous prendre les coups de hache. Là, il y a beaucoup de sbires, du coup, c'est un peu difficile. Essayez d'esquiver toujours les haches. Dès que vous savez qu'il va lancer une hache, les zigzaguer. Donc là, il s'avance encore une fois de trop. Il se reprend une sanction. Là, je vois qu'il manque un champi. Donc à partir de là, je sais que ça devient un peu difficile. Et je peux pas me faire un gank. Donc je préfère reback. Et je vois qu'il claque l'outil. Je trouve ça un peu bizarre. Donc j'évite d'avancer trop. Je vais pas vraiment la race ni rien. Je vais juste préférer taper la tour pour prendre la tour. Et voilà, donc dès que je vois qu'il commence à essayer de me shade un peu, je back, hein, je cherche pas le raid. Là je vois qu'il y a un Z. Donc je vais dans les bush. J'attends qu'ils posent une ward parce que voilà, je sais qu'ils vont poser une. Je me pose le champi pour montrer qu'il y a un champi. Donc ils vont pas oser venir sous le champi. Et je vais en profiter donc pour Arras à distance. Je vois qu'il prend très cher, du coup je mets Lee Knight, je flash. Et je sais qu'il va mourir là. Donc je me tape le Mudo également qui se suicide lamentablement sur moi. Je sais pas comment qu'il a fait pour mourir d'ailleurs. Parce que, d'accord, il s'est pris des coups blancs. Et il se prend l'aggro des mages en fait, il fait très mal. On voit que les mages lui tapent vraiment très fort. Il rate sa hache, ça lui perd, ça lui donne... un gros désavantage parce qu'il perd les points de vie du coup du sort. Du coup voilà, ça commence à devenir très difficile pour lui. Donc je sais que le jungler est pas là, car je viens de le tuer. Le top est pas là. Et le jungler vient d'être mis... ah non, c'était le Z qui est venu. D'accord, donc le jungler est mort au mid. Donc le Jax est mort au mid actuellement. Le Z et le Mundo, donc le mid et le top sont morts. Donc j'avais absolument rien à craindre. Donc j'ai préféré faire encore une Rift. Et je back maintenant, au cas où il y a un ulti Jinx ou on sait pas, ça peut arriver. Voilà, donc au niveau du stuff, les bots après le Rabadon c'est quand même assez intéressant pour chase. Et pour éviter de chase également par Amundo, c'est toujours intéressant pour esquiver ses haches. Voyant que la botlane ça galère un peu, je vais y aller aussi. Hein. Pensez toujours à pas camper le top. Vous prenez votre tour, quand vous voyez que le bot est en difficulté, prenez la tour top. Et aller aider le bot. Parce que si la botlane se retrouve à 10-0, la game est finie en fait. Même si vous êtes à 20-0, un carry AD vaut toujours plus qu'un support. Qu'un solo top, pardon. Même si vous êtes Timo. Donc là, on voit bien qu'il prend la sauce. Donc, regardez. Un A et un coup blanc. Il a pris très cher. Bon, après, je dois pas être le seul à avoir fait beaucoup de dégâts. Je pense que Z a mis bien cher aussi. La Jinx qui rate sa fusée, ça. Ah non, ok, c'est chez nous, d'accord. Un petit peu en retard la fusée, je pense, mais bon. Donc là, nous avons Alistar qui engage le Drake. Donc on va y aller. Toujours aider les amis. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui engage le Drake, allez l'aider. À part si c'est vraiment du suicide, mais s'il y a moyen de le faire, allez-y. Le laissez jamais tout seul. Pareil, si votre team veut engage, ne le laissez pas faire tout seul. Là, je vois que le Z est tout seul en train de se faire chase par un Jax. Donc je mets mon champi pour éviter qu'il me... qui me vient dessus. Voilà, sachant qu'il va sûrement dash sur le Z, je mets un petit A maintenant à la fin de son stun pour l'aveugler. Et sachant qu'il va mourir, je te chase mais sans vraiment sans vraiment tout claquer quoi. Donc là on sait qu'il va mourir. Voilà, donc là je vous dis bien, dès que vous arrivez à portée de A, vous balancez le A direct. On voit bien que c'est complètement pété parce que le A il suit la cible en fait. Donc là on va voir la portée du A, elle est juste infâme. Le A est vraiment infâme parce que la portée doit arriver jusqu'à là à peu près. Plus grand qu'une range d'auto-attaque. On va revoir ça encore une fois. Là on voit bien que le sort part d'ici. Et même si la personne dash, ça le suit et ça le tue. Donc le A est vraiment très intéressant quand on le max parce que au rang 5
ça fait extrêmement mal si vous partez full AP. On voit bien la sauce que la kata se prend, c'est juste infâme. Là, il y a une kata, elle va se prendre juste deux coups. Vous allez voir sa vie. Un coup, deux coups. C'est juste infâme. Alistar veut y aller quand même, donc je décide de le suivre. Toujours suivre les alliés. Même s'ils vont dive. Et finalement, ça porte payant. Malheureusement, le Alistar va mourir. Car il décide d'engage, de prendre la tête dans une jungle adverse. Donc si vous êtes bas en vie, suivez les alliés. N'engagez pas la jungle adverse sans avoir la vision. Parce que voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit caché, hein, qui vous attend. Et puis voilà. Donc pensez à poser des champis. Là je vois très bien que c'est Ward du coup. J'essaie de la bait un peu, je sais pas si j'y vais ou pas. Mais j'ai plus de mana, du coup je décide de pas y aller. J'aurais pu l'avoir, mais sans mana c'est assez difficile. Et ne sachant pas si elle est, vraiment fit ou pas, parce que mine de rien, elle a quand même une soif de sang. Donc voilà, donc je préfère pas y aller. Jouer à sécurité quand vous avez 6-0, c'est très très important parce que vous valez très cher, que ce soit en niveau ou en gold. Donc la Jinx m'aurait tué, elle aurait pris directement un niveau et 500 gold. Et elle aurait pu revenir dans la partie grâce à moi, donc j'ai préféré pas prendre de risque. Voilà, pensez toujours à prendre le farm également. Hein. Un bon champi dans le lot, ça fait très 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 mal. Voilà. Là vous allez voir les dégâts que ça fait. Pour farmer, c'est juste infâme. Le faites pas à chaque fois, faites-le uniquement sur les gros packs pour aller plus vite. Ah, donc notre... Leur Z fait mal aussi, je crois. Ouais, Z aussi. Donc là nous avons une pink, hein, ça c'est assez régulier qu'on tombe sur des gens qui mettent des pink contre un Teemo. Pensez à les casser, c'est toujours intéressant sur les champignons. Voilà, là nous avons un Z ici qui vient de se faire engage. Donc je vais aider notre ami Nocturne. Voilà. Le Z marche sur un champi, donc déjà il est ralenti. Et on a la vision sur lui. Donc là on se doute il va dash. Voilà, il dash ici. Il va sûrement passer après par là. Sachant qu'il va passer par là et que Nocturne va sûrement faire ça, je préfère plutôt faire le tour. Passer par là. Parce que généralement AZ va plutôt se diriger vers sa tour que vers la jungle ennemie. Surtout qu'il n'y a plus de tour ici. Il n'y a qu'une ici. Ça lui fait une plus grande distance. Il suffit qu'il y ait un champi, il va mourir. Donc je préfère vraiment pas faire le tour en fait. L'attendre ici parce que je sais qu'il n'a pas la vision là. Maintenant il a la vision, mais c'est trop tard. Là, il voit mon A, mais il ulti instant. Là, là, je fais attaque automatique. Donc vous avez un raccourci à changer dans les paramètres qui vous permet sur un raccourci. Bon, moi personnellement, je l'ai fait sur le sixième bouton de ma souris, qui permet en fait de faire une attaque automatique sur la première cible. C'est-à-dire que peu importe où vous cliquez, par exemple, je clique ici, ça va m'attaquer la première cible, qui est donc par exemple celui-là. C'est très intéressant quand vous jouez contre un champion ennemi, parce que vous allez cliquer par exemple sur un bush avec cette attaque, et votre champion à peine entré dans le bush va attaquer la première cible visible. Donc vous n'allez pas avoir la vision sur la cible pour l'attaquer. C'est très important quand vous jouez contre un champion invisible ou des champions qui aiment bien jouer avec les fourrés, parce que très souvent les gens n'ont pas la réactivité d'appui assez vite sur attaque. Et ils n'ont pas ce raccourci. Du coup, finalement, ils perdent beaucoup trop de temps. Et ils ne réussissent pas à attaquer le champion avant qu'il devienne invisible. En passant sur un autre bush, etc. Donc pensez à prendre ce raccourci. Je crois que c'est mouvement joueur-attaque. Quelque chose comme ça. Donc en ce qui concerne le stuff, en deuxième item, prenez toujours Fléau de la Liche. Parce que Teemo, c'est très fort. C'est vrai. Mais il y a un gros problème, c'est qu'une fois que vous avez balancé votre A, vous n'avez plus les dégâts vraiment complètement pétés de Teemo. Sur le build classique, on max le poison et on tape vite. Du coup, vous avez des dégâts constants, mais les dégâts sont pas énormissimes. C'est pas des dégâts d'assassin, c'est plutôt des dégâts de combat. Là, on voit bien qu'il faut esquiver, donc dès que vous voyez quelque chose, essayez d'esquiver. Là, on voit qu'il y a un Z, il y a trois personnages à skillshot, donc esquivez le plus possible. Donc là on voit bien que c'est Ward ici, hein, donc même si je mets un champi c'était plus pour leur faire perdre du temps.
Là par contre c'est pas du tout wardé je pense. Donc je pose le champi ici, pareil, pour leur faire perdre du temps. Voilà, donc là ils le savent pas où je suis. Voyant que ils retournent sur le mid et que notre Z réussit du coup à tuer la Jinx grâce à ma diversion, je préfère plutôt retourner aider le Z parce que sinon il va mourir. Donc je suis un peu lent, je suis comme petit Timo, j'ai des petites jambes. Ah, donc le Z préfère faire le trade, parce qu'il va prendre assez cher. Ah, donc il ulti, il devient invisible. Voilà. Donc notre Z préfère back. Non, je sais pas ce qu'il a fait le Z. Ouais, je crois que notre Z s'embrouille un peu. Et le Mudo prend très cher. Donc là vous allez voir les dégâts infâmes de Timo. Je crois que le Nocturne fait très mal aussi. Ouais, il fait assez mal. Mais Timo, en fait, l'avantage de Feu de la Liche, c'est quand vous faites un A, vous faites très mal. Mais l'auto-attaque suivante prend que le Feu de la Liche, donc vous faites encore plus mal. Et sur deux auto-attaques, généralement, vous mettez très 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 cher. Et c'est juste infâme. Généralement, 80% du temps, vous faites ouais, 60-70% des points de vie de la cible, juste avec un A et une auto-attaque. Donc là, après ceci, ils ont sur N. Donc là, effectivement, pour eux, il n'y avait pas vraiment de chance de gagner. 9-24, 10k de gold d'avance sur nous.